David Husson, conducteur de travaux chez Fageroute, donc agence grands travaux régionaux. On est sur une opération pour le compte de ATMB, sur la descente des Aigrales à RN205. Les travaux ont consisté dans un premier temps à raboter sur 3-4 jours. Depuis hier, on a démarré l'application d'une couche d'accrochage. On a épandu du lait de chaud pour éviter en fait que les camions emmènent cette colle quand ils stationnent à une certaine durée avec les températures qui commencent à être assez élevées les après-midi. Depuis aujourd'hui, on applique nos formules d'enrobé sur 4 cm, composées de constituants avec des gravillons assez abrasifs qui correspondaient à une demande donc de ATMB, parce que cette descente des Aigrales est une descente très sinueuse. Cette formule d'enrobé également, c'est un BB5 orthoprène, donc un bitume modifié, qui peut répondre au phénomène assez important ici de gel-dégel. Concernant l'application des enrobés, on travaille en journée, la route est fermée et comme vous pouvez le voir à mon avis derrière moi, les usagers sont basculés sur le viaduc des Aigrales, qui a la double circulation sur le viaduc des Aigrales. Concernant notre vague de camions, donc on est autour de entre 18 et 22 semis. Sur cette vague, on a 6 à 8 semis poussoirs parce qu'on a cette contrainte. Un peu plus haut, on a une casquette anti-éboulement et on a aussi la très grosse épingle où on a une très grosse pente en travers. Donc on va utiliser ces semi-poussoirs sur ces zones de travaux. Pour gérer tout ça, on a un homme trafic pour gérer l'arrivée des semis au niveau des finishers et après les semis qui doivent repartir au niveau du poste d'enrobé.